Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode du Unlock sur Pokémon X. J'espère que vous allez bien. Je tourne à la suite du précédent épisode, voilà, j'ai tout juste fraîchement soigné mon passe rouge et mon Fennec en l'occurrence, voilà. Donc j'ai envie de jouer, voilà. Donc j'avais envie de tourner un deuxième épisode à suivre, donc voilà. Route 22, chemin des tours, ok. J'ai été entraîné par la grande Violette. Ah, mais qui est ce Violette? Qui est? Qui? C'est qui Violette? C'est qui? Ah. Enfin bref. Le mec commence déjà à partir. En vrille. Il fait quand même des bons dégâts. J'ai toujours dit, quel est l'intérêt de mettre une attaque comme ça pour réduire la capacité des attaques feu alors que t'es un type eau. Encore pour les types plantes, je comprendrais parce que la feu, bah ça crame la plante. Mais pourquoi faire réduire les capacités des types feu? C'est un peu comme le talent de Primo Kliar qui où il est insensible aux attaques feu. Alors que de base il craint pas le feu. Groudon c'est encore plus vrai parce que lui il est type sol et avec sa primo résurgence l'eau ça n'a aucun effet sur lui à cause de son talent terre finale je crois. J'ai un doute mais je crois que c'est terre finale. Ouh, le coup de boule là, ça m'a pas fait du bien. Ah là là. Niveau 10 pour passe rouge. Il a bien rattrapé son retard. Hein. Ah, enfin, pic. Voilà. Quelle technique. Et ouais. Du coup, hop. Il y a une des règles que je voudrais bien enlever en premier, ça serait le mode défini, comme ça je pourrais switcher quand je... Après les autres, c'est pour... Après la limite des 3 Pokémon, des fois tu n'utilises pas toujours tes 6 Pokémon en même temps. Oh non, c'est lui! C'est lui mon Pokémon de zone. Bon bah, apprends. Apprends Pokémon. En même temps, je voulais pas trop. Pauvre Sapeuro qui s'est fait one shot. Oh, Poussirène. Ah, j'aurais bien voulu avoir Lucario, mais tant pis. C'est pas grave. De toute façon, je m'autoriserai de prendre des Pokémon qu'on nous offre. Donc style les fossiles, les starters c'est des Pokémon offerts évidemment. Puis les Pokémon, je crois qu'il y a un low class qu'on nous offre. Ah Maril. Ah j'aurais peut-être dû mettre Pic. Bon on va voir. Ah Psylo. Ça va. De toute façon il est pas encore type feu. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je garderai pas les Pokémon, enfin les dresseurs de la zone, pour entraîner mon futur Pokémon? Je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon on n'est pas pressé au tout début, il faut qu'on s'entraîne, etc. Ouais, je vais pas aller plus loin, et du coup je vais aller affronter la reine. Vu que maintenant j'ai mon poste rouge qui a pic. Et qui craint pas trop les autres les types plantes, enfin les types insectes, et mon Fennec non plus. D'ailleurs je vais mettre Fennec en ligue. Bah, le mec il sait plus parler. Ça fait bizarre que dans Pokémon Y j'avais déjà trop Pokémon. J'avais mon starter, j'avais mon Grenouche, j'avais mon Lionceau et j'avais mon Riolu.
Fais la course en roller, c'est vraiment le pied. Ah, sous ma gueule, je suis à pied. Bleh. Bref. Grâce, la roller skateuse. Ah. Le retour de ce Pokémon. Le retour de Zizaton. Ça va pas mal, quand même. Voilà. Allez. Oh, un aéroleur. Trop bien. Je vais me dire. Oh, c'est trop bien les rollers. Tu peux aller plus vite. Comme ça, t'as même plus besoin d'utiliser son vélo. Ouais, je préfère me soigner comme ça. Je sais que j'ai toutes mes PP, j'ai tous mes PV pour me lancer dans l'arène. Ouais, voilà. Hop. Arène de Neverthul. Qu'est-ce que tu me racontes de beau, toi? Futur maître, c'est la première fois que tu te frottes à un défi d'arène. Tu te sens comment? Tu trembles de peur ou d'excitation? Quoi qu'il en soit, t'as ton équipe. Et c'est ce qui compte. Par contre, les combats, il faut des Pokémon party. Glisse sur la barre si tu veux accéder à la pièce de notre championne. Et de sa garde rapprochée. Pff, carrément. Carrément la garde rapprochée. On va mettre Fennec. Peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir débloquer... De toute façon, on pourra débloquer. J'espère qu'on va débloquer une bonne règle. Bon, de toute façon, on s'en fout. Hein. Hop. C'est toi qui viens nous défier, bienvenue, montre-moi tes Pokémon. Je suis le méchant, pardon. Toxique contre je vais dire Fouinette. Fennec. Bon, c'est un peu similaire. Oh, trop bien Fennec. Je suis fier de toi. Voilà. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de... L'intérêt d'être dans une arène, c'est qu'on peut rencontrer plein de Pokémon différents. J'avoue. C'est pas le bonheur. Pardon. Ah. I'm blocked. On est lui, on peut... Attention. Hop. Les Pokémon insectes évoluent très vite. Ouais, mais sauf que... j'ai pas le droit. Et j'ai oublié cette règle. J'étais tellement dans l'euphorie de l'épisode que j'ai oublié les règles. Quel bolos. Hop. Voilà. Niveau 13 pour Fennec. Voilà. Un combat rondement mené. Est-ce qu'il y a d'autres dresseurs? Je sais. Non, je crois pas. Une nouvelle proie. Sans défense, est tombé dans ma toile d'araignée. Enfin bref.
Oh, mon confort. Tricheuse. Voilà. La pétrinée. Bon, je pensais que tu allais avoir un Mimigal, un truc dans le genre. Enfin, un Migal. C'est un Mimigal. Après, c'est un Migalos. Du coup, on va mettre passe rouge devant. Hop. Oh, ce terre décidé, ça te voulait d'en découdre. Bien, bien. C'est ton premier défi d'arène. Encore mieux. Qu'il s'agisse des larmes, de la défaite ou de la joie, de la victoire. Tous les sujets méritent d'être immortalisés par mon appareil du moment qu'il exprime quelque chose de fort. Tu ferais un bon sujet sensationnel. Oui, oui, oui. Bon, passons aux choses sérieuses. Je m'appelle Violette. J'ai toujours l'œil viré sur mon objectif et sur la victoire. Violette veut se battre. On voit Aragdo. On va faire pic-pic. Ça va. Et voilà. Prismion. Ah, je crois que c'est une augmentation de vitesse, du coup, je viens de comprendre. Pic-pic. Ah, l'attaque que je redoutais. Maintenant je suis bloqué, je peux pas changer, switcher de Pokémon. Non, elle veut utiliser une potion. J'ai pas envie de perdre mon Poké. J'aurais dû changer. Si je le tue pas, je perds passe rouge. Là, je peux pas switcher. Bien d'accord. Passe rouge ne peut pas être échangé. Et puis j'ai pas le droit de me soigner. Il est plus rapide. Non, notre premier Pokémon de mort. Non. On est dans la merde. On a plus que Fennec. Bon, premier mort. Ah, c'est le problème des attaques comme ça. De harcèlement, tu peux pas switcher de Pokémon. Je crois que Ligotta, ça fait pareil. J'aurais dû switcher. J'aurais dû mettre Fennec dès le départ. Et voilà. Fennec n'aura fait qu'une bouchée. Tant pis. Je vais prendre Nitro Charge. Vas-y, hein. Pas de Mimique. Je garde toujours Griff au cas où. Toi et ton équipe avez bien mérité votre victoire. Ouais, sauf que je viens de perdre un Pokémon. J'ai le bon, tu sais. Et j'ai envie de te dire que non, j'affirme. Donc Fennec et toi, vous faites la paire. Et voilà. Bon, je vais prendre le petit Random Porg. Comme ça fait... Random.org, il y a. Bon, allez. De 1 à 9. Quelle est la règle qui va bientôt tomber? Telle est la question. Ah, on obtient harcèlement.
Hop. On s'en fout. Allez. J'espère qu'on va avoir un bon tirage. Si je débloque la règle des Pokémon évolués, que je peux faire évoluer mes Pokémon, je peux reprendre Coconfort. Donc là, je serais bien. Et si j'ai pas, bah, je suis un peu dans la merde. Allez. 6. Youpi! Oh, la pire règle que je pouvais débloquer pour l'instant. Non. Bon, au moins, quand j'aurai l'accès à la méga évolution, j'ai le droit. Donc pour l'instant, j'ai pas accès à la méga évolution. Donc je vais marquer unlock ou délock. Enfin, je vais marquer l'idée. Voilà, comme ça, je sais qu'au moins, voilà. C'est comment celle-là elle est faite. Bon, bah, on a obtenu notre premier badge, notre première règle de débloquer et un Pokémon mort. Oh, le badge Golioptère, bien. Que dirais-tu de faire la visite du labo Pokémon à Illumis? Après accroché par le centre Pokémon pour soigner ton équipe. Bon, bah, j'ai toujours pas le droit à reprendre... Ah, je suis deg pour passe rouge. Putain, d'ailleurs, est-ce que je peux retrouver des passes rouges? Oh non! J'ai plus le droit à passe rouge. Et roucoule. Ah, c'était vraiment qu'au début du jeu, quoi. Bon, j'espère que je pourrai avoir un nouveau type vol. Merde, j'ai soigné... Bon, bah, tant pis. Ah, je suis deg d'avoir perdu des passes rouges. Ah, ça me fait chier, pour... Attendez, je vais changer de... Hop. Voilà, je regarde ma 3DS. Hein. Je vais marquer mort. Merde. Ouais, comme ça on saura que c'est la boîte des morts. Donc mon premier mort, passe rouge, qu'on a entraîné pour... Enfin, qu'on a entraîné... Alors, heureusement qu'on l'avait entraîné. D'ailleurs. Ah, je suis dégoûté. Tu as réussi à battre Violette? Oui. J'ai pas le droit. Sac. Voilà. Allez, s'il te plaît, un bon poké. Allez, s'il te plaît, un bon Pokémon. S'il te plaît, un bon Pokémon. S'il te plaît, un bon Pokémon. Non, en plus, je peux même pas... En plus, c'est un mal. Je pourrais même pas avoir appelé rien plus tard. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi je tombe que sur des insectes? Bon, moi, j'ai pas de problème à le faire évoluer. Il n'évoluera pas. Pff,
J'ai même pas... C'est quoi? J'ai même pas envie de l'avoir. Ma pyrène, à pitriner, ça... Non. Je sais que ça va rappeler mon Pokémon de zone, mais non. J'ai... Non. Ok, non, j'ai pas envie de l'avoir. Putain, je suis... Non mais frère, à chaque fois c'est toujours j'ai... Ça aurait fait mon troisième type insecte, mais non. Ça... C'est nul. Ah bah pourquoi j'ai galéré. Je crois que contre le professeur Platane... Attends. Juste avant de se laisser, j'ai envie de voir, est-ce que c'est la même route? Merde. Ouais, c'est la même route. Ouais, super. Je suis pas dans la de merde. Hein. Au pire, j'essaierai de prendre l'épidonier. J'essaierai de l'entraîner. Pour le, dans le prochain épisode, du coup. Allez, sur ce, les amis. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu. Pour ce ça, j'ai perdu passe rouge. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est un allié de taille, mais... A pu. Allez. Merci à tous de regarder cet épisode. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.